as commencé. Oui, tu me demandais quoi? Je dis, en fait, c'est le même déco, c'est l'école qui montre des enfants qu'il faut commencer vite à travailler. C'est pas l'école, hein, c'est là, c'est ceux qui veulent pas beaucoup bosser là. Ami, mais reste combien? Personne ne voit encore. Mets à la poubelle, c'est bon. Bonjour, bonjour, bonjour. Oui, bonjour la famille. Bonjour tout le monde, bonjour la famille. Connectez-vous. Salam Adam Adounia. Juste un petit temps de partage. Invitez vos amis, s'il vous plaît. Je fais juste un petit partage. Je fais juste un petit partage par là. Vous voyez, nous on travaille, hein. Travail, maison, dodo. On s'occupe. Nous sommes des femmes libres, des femmes capables. Hein? Voilà. Malgré nous sommes dans le combat de cette liberté et cette, comme on dit, éclaircie, ouvrir l'esprit de nos parents, du peuple ivoirien. On fait ça, mais on sensibilise, mais on occupe notre journée, notre semaine, notre mois, moins on contribue aux dépenses de la maison. Nous ne vivons pas que de l'aide sociale parce que nous voulons être des femmes autonomes. C'est ça, au RHDP, il n'y a que le travail qui paye. On travaille, on se rend utile à la société déjà. C'est bon pour la santé. C'est bon, excusez, hein. Je ne sais pas, je crois tout le temps, j'ai ma gorge qui me démange. Quand là, tout à l'heure, il pleuvait un peu. Là, il commence à faire chaud encore par rapport à ton accoutrement. Tu attrapes un peu le froid. Marie, s'il te plaît, un petit verre d'eau. S'il te plaît, ma chouchoute. J'ai oublié de me servir un peu. Je m'excuse, ma coupe. Pardon. En même temps. Merci, maman. C'est gentil. Camille va te tuer aujourd'hui. Hein. Elle a pris tout son après-midi pour faire son travail. Voilà, excusez-moi, hein, c'est juste un petit temps de partage. C'est la famille, hein, je sais que on s'entraide. Il y a l'union au RHDP, il y a la solidarité, il y a le partage, et il y a l'écoute, on s'écoute. Et puis on sait que c'est pour un combat noble, donc il ne faudrait pas qu'on nous fasse porter tout le temps le chapeau de la médiocrité, de la méchanceté et puis de tout ce qui arrive comme mal.
en Côte d'Ivoire. Nous sommes responsables de rien. Donc, parce qu'on a déjà pris notre responsabilité, le président a pris sa responsabilité d'être le garant de la paix, le garant de la sécurité des Ivoiriens et des biens, le garant de, comme on dit, faire développer la Côte d'Ivoire et de scolariser au maximum d'enfants, de la santé, le garant de faire des centres hospitaliers que quand même les Ivoiriens puissent aller se faire soigner, le garant aussi d'avoir de l'eau potable, tout ça. On dit il a respecté au moins sa part de parole. Merci son excellent Alassane El Hadj Ouattara via sa position. Longue vie à vous, longue vie au couple Ouattara via les positions. Plein de paix, plein de bénédictions sur votre vie encore. Santé de fait pour à tout le monde. Merci. Oui, il va mettre du nom à faire. Merci, partagez et puis on va. Merci à tout le monde, merci. Invité, je suis là. J'attends un petit peu. Je sais que c'est le début de la semaine. Le roi s'assoule. Via ta position. Molo, molo, tout le monde sera servi avec le RHDP. Bitume partout. Oui. Merci à tout le monde. Merci Abdoul Fatal Oladoui. C'est ça, non? Merci, c'est gentil. bon, on dit aujourd'hui, nous sommes le lundi 11 septembre 2023. Je me présente toujours, je suis Naza de la famille RHDP. Et que cette semaine soit agréable dans l'ensemble. Beaucoup de bonheur, prospérité, joie, santé et puis longévité. Santé surtout à tous les malades aujourd'hui qui sont à la recherche de solutions pour leur santé. Et santé de fait à nous autres qui arrivons à vaquer à nos occupations. Nous n'avons rien donné au bon Dieu pour mériter cette santé et cette joie. Donc on prie Dieu que tous les êtres humains est la santé. Même si il n'y a pas longue vie, le peu de temps que nous ferons sur la terre, que Dieu nous accorde une très longue santé de fer. Oui, Drissa Yoada, bonsoir à vous. Le RHDP, le meilleur parti ivoirien. Longue vie au président Alassane Ouattara, le grand bâtisseur, rassembleur et visionnaire. Merci. Idrissa Yoada, c'est ça non? Merci à vous. Et comme on dit, c'est Paul, merci à vous aussi. Merci. Donc, je dis bonjour encore au peuple de la Côte d'Ivoire, au peuple africain, le peuple ivoirien, la diaspora, toute la sous-région, je vous salue. Via votre position respective. Et encore merci et bonjour à notre président, son excellent El Hadj, docteur de Sukwa, Alassane Ouattara, et à notre maman Dominique, via sa position, la dame qui a la main sur le cœur, qui fait tout que les enfants, les orphelins, trouvent un toit, de quoi manger,
de quoi être scolarisées, les femmes battues, à avoir un toit, à être, comme on dit, assistées, à être accompagnées. On dit merci. Le président et les militants au RDR doivent savoir que les GOR et le PDCI de Daokro sont très haineux. Regardez comment la femme et le monsieur de la mairie de Cocody parlent. Oui. Mais vous savez, hein, on dit on répond les imbéciles par le silence. L'éducation, là, c'est dès la base. Quand la base est ratée, c'est mort. Quel que soit l'âge, ton comportement de cabril sortira. Normalement, ce sont des gens, ils sont dans l'administration. Là, ils sont dans, comme on dit, dans le public. Ce sont des gens qui ont étudié quand même, parce qu'il faut avoir un certain niveau pour travailler dans le public quand même. Voilà. C'est ça, je vous dis tout le temps. L'école et la connaissance et l'éducation, ça fait deux. Voilà. Ce sont des gens qui ont mis leur vie en parenthèse depuis le temps des temps. Aujourd'hui, on a pu les insérer dans la société. Voici les hommes qui dorment. On dit, on ne répond pas l'âne qui te, comme on dit, qui te donne des coups de pied. Sinon, après toi, tu vas te déchaîner, tu vas rendre plus que la personne même. Maintenant, là, c'est la diplomatie que nous allons suivre. Quand tu sais que quelqu'un te provoque, il te provoque, regarde. Et puis, toi, cherche seulement des stratégies à aller vers cette personne. Et le jour, le voile sera dévoilé. Il n'aura même pas de mots pour se justifier. C'est dans ça, dans cette logique, nous sommes. Sinon, les plus nombreux aujourd'hui, là, c'est le RHDP. Le RHDP, là, c'est pas parti que pour les nordistes. C'est pas parti que pour le Djoula. C'est pas parti que pour le Sénfo, ni pour le Koyara Sion. Le parti uni aujourd'hui, là, c'est la Côte d'Ivoire. On trouve toutes les ethnies dedans. La preuve en est, regardez même les cyberactivistes. Regardez dans le gouvernement. Voilà. C'est pour dire qu'il n'y a pas que les Brahmans, il n'y a pas que les Yakaridia, il n'y a pas que. On sait que nous sommes partis de là. Mais aujourd'hui, là, le président a nettoyé la tête des gens du RDA pour dire hey, votre affaire des RDA où on dit c'est mon petit frère, mon grand frère. Parce que chez eux, quand on dit RDA, c'est que le Nord. Or, aujourd'hui, là, tout le monde sait que la Côte d'Ivoire même. Déjà, dans notre sang, nous sommes métissés. Nous sommes métissés. Donc, le président, il a vraiment étudié, comme le président, le père fondateur, a vraiment étudié, métissé tout, mélangé tous les Ivoiriens. Raison pour laquelle il a pu gouverner ce pays tranquillement, sans bruit. Voilà. Oufoué Poigné a gouverné ce pays sans bruit, parce que tout le monde était sur le même pied d'égalité. Il aimait tout le monde. Sa force, là, c'était où? C'était pour le, du Nord. C'est nos parents qui ont aidé le président, son excellent père à son âme, Oufoué Boigny, à bâtir ce pays. Voilà. Comment on peut nous exclure? Donc, on ne va même pas rentrer dans leur délit, là. Parce que ce sont des haineux. Ils ne savent rien faire que du bruit. On ne va pas les mélanger dans mon discours de ce soir-là. Voilà. Et aujourd'hui, là, c'est eux. Ils vendent notre Côte d'Ivoire aux étrangers. Ils vendent notre Côte d'Ivoire à la sous-région. Ils vendent notre Côte d'Ivoire même au Cameroun. Président qui est assis et puis c'est son homme qui gouverne les gens. Hein? Voilà, les gens, mais leur linge est sale. Ils ne peuvent pas laver leur linge. Nous, on peut donner la Côte d'Ivoire, pays classe, pays luxueux, pays démocrate. Et il y a une Camerounaise qui me dit, c'est la vérité. Nous, on peut parler mal et puis rentrer. Mais eux, là, quand ils parlent mal, là, tu rentres là, oh là là. Famille. Nous rendons en tout cas gloire à Dieu. Gloire à Dieu d'avoir béni notre pays avec notre patrie avec son excellent Alassane Ouattara El Hadj, notre bois. Parce que là où aujourd'hui la Côte d'Ivoire est là, il faut être sorcier pour dire que la Côte d'Ivoire ne te plaît pas. Ou bien tu n'aimes pas le travail du président, son excellent Alassane Ouattara. Voilà.
Vous savez, on dit la demande de parole. Voilà, attendez. Tu as besoin de là? Non. Ça va, merci ma chérie. On nous dit la demande de pardon de Mansour Haïdara auprès du Haut Conseil islamique de Ségou, qu'il accuse dans un audio circulé sur les réseaux sociaux d'avoir reçu une somme d'Alassane Ouattara, la somme de 500 millions de francs CFA, oui, 500 millions de francs CFA, venant du président ivoirien pour une prière et bénédiction. Il reconnaît avoir menti et qu'il n'avait aucune preuve. Ah, Dieu, qui nous... Regardez, hein. 2023. وسلامني على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين ومن والهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سلام الشيخ منصور حيدر كاندو أبو شوالا بيسكو Misra Hippodromina. Abe Dimashi le 10 septembre 1900-2023, il dira sans bakelin kemanan binan andour. Abe 10 erima. Bega sa tarigila. Kamne bega sa nadou laba ma ok mien yon rofo. Chep unatel horma koso. Sara turi horma koso. Cheikh Abou Bakar Cham horma ko so adim so horma ko so Cheikh Kabir do Islamé be a chena muso be a dugole a penen da ndum ndum do be horma ko so be ya fon Allah ne karakama fi yon zora bi fi yon zora shini wa ma ti bu ya fili fili makoy ni kana gele ba fitisi ko o kana gele ya o kan be la fon Cheikh Mansour Haidara mere ke Islam mo koko je mere ke Islam mo la passa ne mana sababu ye fɛn bi tɔrɔ silamɛ ma o man ka o ne mun kɛ fiyewu o man ɲi ne bi o man ɲi sini o kuma k'a jira diɲɛ maa bɛɛ la o silamɛ bɛɛ lajɛlen sɔmi sɔmi na ko k'a jɛ tasi t'a la k'a ko k'a jɛ nɔgɔ t'a la k'a ko k'a jɛ lebu t'a la k'a ko k'a jɛ jɔrɔ t'a la k'a ko k'a jɛ kamalaba t'a la hali tɔrɔmɔjɔ tɔrɔmɔjɔ wari tɛ dɛ tɔrɔmɔjɔ tɔrɔmɔjɔ a ma di bi a ma di sini a ma na bi a ma na sini. Il faut bien gérer là. Au moment où ma mère a fait un corps, aïe, nous on dit qu'il a fait une somme fait. Villa, il a fait une somme pour le gérer fait. Mais qu'il a fait un alarme à c'est un bon cas. Alors qu'on a un cas, net là, on a bien gagné une chute dans la bâche. Une chute dans la bâche. Donc, bébé, si vous voulez ça. Bébé, si vous voulez ça. On y a d'autres que ça. Aïe, nous, on y a un bouquet. Ça veut dire qu'il y a fond. Net là, il y a fond. Ibrahim Bamba, bonsoir à vous aussi, bien votre position. Bonsoir aussi. Silamɛ kosɔn silamɛ bi diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ yan tɛ dɛ silamɛ bi diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ a ka kɛ tubabu kan ni angilɛ kan si bɛɛ ma ko Cheikh Mansour filila a ye kalo tigɛ k'a da o ko silamɛ la hali kɔkɔkisɛ kɔkɔkisɛ wari tɛ dɛ kɔkɔkisɛ o bɛ se ka zarati min ka dɔgɔ a bɛɛ a ma d'u ma seere t'a la bi seere t'a la sini tiɲɛ t'a la bi tiɲɛ t'a la sini alisun t'a la makaraju t'a la a kɛra kuma ye a b'a hali manusu wa. Famille, on dit dans la vie là, quand tu es patient, l'aspérité triomphe. Quand tu es honnête,
serein imperturbable. Voici, comme on dit, l'imam, un des imams de Ségou, les tapeurs de chaussures là, les gens qui maudissent, docteur, son excellence Alassane, le guépard infatigable, d'avoir corrompu les imams de Ségou pour prier. Il leur a donné 500 millions de francs CFA. Voir prier pour que CDAO et Alassane, notre père, le bois Nankama, soit haut, pour ne pas que la malédiction qu'ils ont fait là tombe sur la Côte d'Ivoire et le président Alassane Ouattara et la CDAO. Vous voyez, hein? Dieu là, je vous dis, avec le Coran, on ne blague pas. Je vous dis, avec l'islam, on ne blague pas. Même avec la Bible, il ne faut pas blaguer. On vous a bien dit, les gens de Ségou là, les faux, c'est pas tous, hein? Parce que je vous disais ça l'autre jour. Ceux-là, ce sont les malfrats, les disciples des cinq colonels. Ceux-là, ce sont les disciples de cyber vauriens du Mali, là. Même les Maliens, je les mélange pas tous, parce que je sais qu'il y en a de bons dedans. Il y en a comme les Ibapoku, plusieurs comme ça, qui sont dans la vérité, dans une vraie logique de pouvoir libérer correctement, complètement le Mali. Parce qu'ils savent très bien que dans la main de ceux que le Mali est aujourd'hui là, Sranyanamate. Ségou Kaye, Mafouma Barkala, le conseil, le haut conseil islamique, Ségou. Mafou, Anilombe. Eh, ni Galon Koumeseka, Fania Koumeseka, Ayere, Lakandate, Ayere, Yira, en plein jour, pour que tiens un bon canabo, Mouidala. Ate? Ali Biala, en son sabari chamana, je vais parler beaucoup en langue aujourd'hui parce qu'aujourd'hui c'est pour notre nos voisins, les kidnappeurs des 45 soldats là. Voilà, ça a eu aujourd'hui là, je vais parler. Parce que quoi chaman qu'elle a? Danga mi dolani. Eh, danga. Ou danga be mine tiyan le ka, Adam a dit. Ante son ala koma sa, Ali Jotri ba fo, na la sona. Karamoche ba fo na la sona. Anye to ala kosa. Mwa la san Ouattara. Anu fache. Anu ya chomba. Ka hoteli le lo maka. Ejide beta Dominique. Kado. Ejide beta selu o saroma kanasun o saroma. O presyon kunto la beta Alkabala. Ala. Anye bok balon galon kosa. Maliba, anyebo galonko. Danga le dola segu dugu kolo kamalo yoro kelem. Kam alimami ni che danga to doi taka misrifa. Kolube dota woloden duwa uden do danga. Akote ni. Anu fono sigila anya selu kolo ka. Muna la sona. Fona la san Ouattara make anu nyaji che baga e Côte d'Ivoire kono. Na la san Ouattara make bi. Ne bamso koroba te se ka buru buru lombe ko oba anfaka lo bante. C'est vrai, che kelekele ka kereke. Me kungolo fono le be barake. Chen kungolo le ka barake. Oko son abe yorom na abe ni. Alou ba foko alou nyato ye. Alou tolo to torome. Kwa alou te fe. Alou kungolo to o valide. Aya jamana ba abolo. Ako akwa ba amne na kadi. Tu babu ima. Aka aya jamana tu abolo. Gérez votre pays maintenant. Vous allez le maudire. Vous allez maudire CDAO. Mon malédiction, c'est sur la vérité, la malédiction est, comme on dit, triomphe. Famille, transition. Badi. Ko nan tala ambi tambi tambi se
Mais il y a tellement que tu n'y as pas. Famille. Famille, ça fait combien de temps ceux-là, ils ont maudit la Côte d'Ivoire et le président, son excellent Alassane Ouattara? Ça fait pas longtemps, hein? Je pense très bien que ça fait pas trop longtemps que leur malédiction envers la Côte d'Ivoire a été faite. Mais ça ne fait pas trop longtemps, je crois bien. Hé, hé, Allah. Abekula Dalao, Amaseba. Ah, qui m'avait envoyé cette vidéo-là? Je ne retrouve pas la vidéo du bateau brûlé là. Oh. Quelqu'un m'avait envoyé ça. Excusez, je vais. Adjaratou, ma grande soeur, mes respects, bonsoir. Jean-Philippe, bonsoir à vous via votre position. Le Prado perturbe le sommeil. Je te le jure, connais Jack, Jelika, bonsoir à vous. Viva 225, ado, ado. En 225, là, d'ici, ils vont arriver sur 225, là. Si eux-mêmes, ils ne sont pas encore finis, là, moi, ça va m'étonner. 100 morts, 200 morts, 300 morts, 400 morts. Abba, tous ceux qui peuvent nous aider, Abba les Français, Abba Alassane Ouattara, Abba la CDAO, vive la Russie, vive Poutine, vive les choses, Wagner, déjà même lui-même le propriétaire est parti, et c'est vous, ils vont rater. On a qu'à aller. Bonsoir camarade, je tenais à vous envoyer un vocal, c'est en soirée, mais je l'ai laissé comme tel. Mais je vais essayer de vous traduire très rapidement ce qui a été dit là-dessus. Parce que nous sommes dans une situation très compliquée dans notre pays. Et malheureusement, la vérité n'est jamais dite. Le monsieur dit en substance, nous avons dépêché 6 pinasses à partir de Rarous pour aller au site où se trouvait le bateau attaqué. Je confirme et qu'ils confirment qu'ils ont embarqué l'ensemble de ceux qui sont restés blessés et rescapés dans 6 pinasses qu'ils ont amené plein de personnes jusqu'à Rarous. Mais l'information sur place, c'est qu'ils ont enterré 111 corps. Ils ont fait 3 fosses. Une fosse pour les hommes, une fosse pour les femmes, une fosse pour les enfants. Deuxièmement, le bateau a été entièrement calciné, comme ça se voit. Cependant, il y a des militaires qui sont là-bas, qui étaient dans le bateau, qui interdisent à qui que ce soit sur place de filmer ou de prendre des photos. Et mieux, ils n'ont pas compté le nombre de noyés qu'ils n'ont pas encore récupérés entièrement, parce qu'il y a beaucoup de corps dans l'eau qui sont en train de flotter. Il ne les a pas comptés parce qu'ils ne pouvaient pas rester, il fallait amener les blessés à Rarous. Troisièmement, sur le bateau, dans tous ceux qui se sont cachés pour rentrer dans les chambres fermées, ils les ont trouvés calcinés dans leurs chambres. Et ils n'ont pas compté ce nombre. Et que celui qui doute de ce qu'il vient de dire est un mécréant et il ne faut même pas prier derrière cette personne parce que c'est ça la vérité. Il l'a vécu, il l'a vu, il le dit parce qu'il a participé à ce mouvement. Parmi les pinasses qui ont fait le déplacement, 2 pinasses lui appartiennent personnellement. Alors voilà la situation qui malheureusement n'a pas été donnée de manière claire par notre chef d'état-major sur la télé, au journal ce soir. C'est dommage. C'est extraordinairement grave. Yako. Yako, famille. Yako. Que Dieu ait pitié du Mali. Que Dieu ait pitié du peuple malien. Que Dieu vous vienne en aide. Pour vous, quand vous avez dit que l'armée montée en puissance, l'armée montée en puissance, au courant de Kafoko, si ça vous refait que ça, l'armée montée en puissance, l'armée de Gaïlé, l'armée de Gafanga, sur Dondoni, ou l'autre, ou de Gafanga, l'armée montée en puissance, à la misère française, à la misère Ivar, à la misère Tchéda, à la misère Tchéda, à la misère Tchéda. Quand on a ces héros-là, comme Amassa Lerom, quand on a des propagandes,
propagande galantigi galantigi ani propagande ko de chaya ka kuma chaya ni kewale ka kuma mugu chaya ni kewale kuma mugu ka chaya kewale yoko ndo nya ko nokoi ka kuma mugu chaya ni kewale kuma mugu te foyi kuma te foyi nya kewale de be fe nya kwa ton maka kuma galant mambe galant mambe no au mot te gete ko ko sa fe galant mambe no mot te ge mali ko ina ni sa se ma ko galant te no ma mot te ge ami mot te en puissance amma ko te barkane la amma ko te amma ko te barkane la amma ko te france la amma ko te misma la ka gam ka kala je ka jamana bla de gon ko ka jamana bla tonyo ko no anga jamana fle bi chomna domo do nimbo domo do fali domo do fali domo do fali mercredi fali ka ke zedi fali ka ke ha mercredi fali ka ke zedi fali ka ke fali ni semeni ko no mo fara ka tan mo ke me fle ni semeni do ron ko kum tukuni gawo ye gawo ka ka afana atake ka gawo ka atake ka atake ra chogom quand attaquer la chogom ou y a préparé chogom ou y a quand attaquer les préparé chogom ou y a quand attaquer les préparé chogom à vocal et bambolo à y a vocal ou sera mais en tous jouer n'a nous y a peu comme un bébé djihad ou ka promo de qui djihad ou y a quand attaquer chogom ou y a attaquer chogom n'a pas un beau au vocal et bébé à peu comme un bébé djihad ou ka promo de qui mais en tout cas dans tout cas sur quand attaquera avota ningata ni kayongosi ninganye si areporla ninganye si yafelala buga kafiru nunu buga porte parole nunu uyu dado bela grene ka black ka bi kuma ka foka ba me on to fo on banga jamana fe on banga jamana fe an te fe njugo ta kanyi sanga jamana ma choko se da iga jamana iga jamana de do de ton sara do de fo sara do de ba sara do de ko sara do de sinjo sara do de banma sara mais ko djou nonou en tout cas promo ke en tout cas promo ke de sino ye ko mena nyemo ambula me ou lui yere déclaration ke ou lui yere déclaration malgré tout kango ni ye kango ko ko sa bisou à toi et bon courage. La semaine, on ne se repose pas, hein. Il faut penser à matin. Rends bien, repose-toi bien aussi à toi. Bisous. Seydou 6, c'est ça, non? Siaka Dumia, merci pour votre pouce. Partagez simplement et puis invitez encore vos amis. Partagez pour que cette vidéo puisse aller là où il faut. Assini Kouita. Un vaurien comédien, ou bien V, c'est un comédien, oui. Est-ce que mon robe est Jamana Maradabara Lawa? Ngo, Jamana Tigi Nyuma Nebe Valérie do Jamana Dena. Jamana Tigi compétent de Benine Jamana Dembe Sala. Jamana Tigi. Dusu be jamana tigi mina o le be se kataga a ya jamana den bɔ tasuma bolo tasuma kɔnɔ jamana den dugutigi min be siran ala ɲɛ min b'a lɔn kɛ ko ni ne fɔnɔ b'ale yɛrɛ la kɛ o le be siran a ya jamana den be tasuma la kɛ o le be ɲinɛ a ya jamana den be tasuma la. Ni nyine te mokom na. On vous dit. Anko. Asimi Goita. Asini. On va dire Asini. Si on met Asini, mafia, c'est gâté notre belle plage. Asimi Goita, avec les 5 colonels. Les mafieux. Dia d'ici, y a porté parole, le benounou yé maliba kono. Donc aussi, ça ko, oye na bamako mne. Je pense que ni Bamako yere kuntalake. Sara, chefari mounoube tokaski, rezoka, ko aba alasani watara. Olube, seguka inyate nan. Aba la chose, la CDAO, aba les Français.
Donc, Français, il est allé à bateau, tassement de bateau nanike. Plus de 111 personnes qui flottaient, morts, et qui flottaient. Ils ont fait des forces sceptiques pour mettre le corps des enfants à part. Ils ont mis 3 forces sceptiques pour les femmes à part, pour les hommes à part, pour les enfants à part. Président sans cœur. Mais comme Segou Tchekorobani, Tchekoroba Larasa Mikunkoka Lassan Wataraka, 500 millions dit Segou Kaima, Koye Douauke, Alassane Ye, Alassane Douauke, Kopase Dangam Doulani, Alassane Ouattara Nana, 500 000 dit Fenge, Segou Tchekoroba Douima, Oye Douauke, Pouke, Dangan Kana Wulikalo. CDAO Kanabe, Alassane Kanabe, Alassane Kanafra, parce que au cas où les Kamakobe Dangado, Alassane Ye Fani Bla, Alassane Ye Kef Fatoy, Alassane Diabe, Alassane Ye Coup d'État Edo, Alassane Ye Dougoula, Ala Ivoirien Beye Fa, Alassane Kofé, parce que Dangabe Do les Kanke, parce que Danga te donne manquant, Danga a te donne manquant. Mais vous êtes vaincu au nom de Dieu. Vous voyez, à peine Aluka, Kalotemen Netaka, Dangadoa. Lui-même, là, il n'arrivait plus à dormir. Ça veut dire, son âme n'était pas tranquille. Allah ka djouti nyanama ya debelay. Ouli kata tiafo! Ouli kata tiafo! An a bourla le nadre ke baye. Kata, conseil islamique là. Koué, aïe, sabari! Ananate! Ananate! Eh, aïe, sabari! Oh, aïe, sabari! Eh, hey, sabari, eh, hey, ni ma chanfo, eh, hey, amaïnde, ni ma chanfo, amaï, maralaye, eh, hey, mara jibri, mara, fenge, jebi la mo en plein action, koni ma na chanfo, obe ni minabi, obe ni minabi, eh, hey, salegete na, eh, hey, salegete na, dangato, menasgi, dangato, ko chokoroba neni mai, malu lebe na chokoroba neni irana, pase ni chokoroba mba chokoroba non, Kibi chokoroba nyon lebu. Demse ni fono bini ya fetike. Don alebe se danga dola. Olube se 500 mil. Oluka 500 million ye dila mwoy ma. Oluma se ko 500 million takasaraka babo. Diadisi ye malitoy. Amadou fou koufa yere e borifono kanate. Kanafo, eh, j'ai fait du tort au Malien, oh, que Dieu fasse que, eh, aïe, sabaringa, mi beke, mali de y farala, oya, foro y jenna, oya, bega, baga ou bien mou, oya, baga y menena, ko, o fara fara, oye, ya fama. Alou bese doua ou la, alou to doua ou ke, malie. Ma alou bese doua ou ke la, Dugumbalu ya refugié nalu ya mwoy te ka garde anu yere tata la kodenia. Pasa anu le kela jetiki ye me biyaba ako o kok bago kafisa. Do anu te dofo ama. Nous aussi nous sommes en train de prier aussi. Comme gago kafisa ke. Fenye lalu yere kan ifo alu be nina bago kafisa ko. Oko ile te kela ni ya. Oko ile be kela ni. Kon anu malu do anyali duguma. Ko passa en bekele geri mbekele ba fakala na nyi nunu garde garde et puis alu ko kalu be kanu ya president ma bosso wuluye montre ala san watra aux yeux du monde entier par Assimi Goïta les 5 colonels avec la complicité de toute l'opposition vaurien de la Côte d'Ivoire et de Soro Guillaume. On a un frère qui est sorti tout dernièrement là, j'ai vu sa vidéo. Mais ça, je vais préparer encore pour venir parler un peu à mes parents du Nord. Akana, tu es trop là, mais je vais revenir. Mon malako, Kassoro Guillaume, a me fait comme le cadeau Kassola. Aben à foi, n'y a pas de Guillaume, ben à l'homme. Et puis, au cassette, il y a un parce que vous aimez Facebook, vous aimez vidéo. Au film, ben à boy, il y a nous, on va voir le film. Le jour, Kassoro Guillaume a entendu dans la bouche du président Alassane Ouattara. Ni ma chose, on va te mettre en prison ou bien on va te tuer. Vous allez venir nous témoigner ça. Ka foko bi norka ye wulide. O ba den benade. O ba den benade. O ve djone bena. Soro gyom yere le tala yere blaf tu babu. Jamana la force. Ko passe ale be plasi mi feni. Na ma plasi toko soro. Ale ba yere fara.
manu kunyana ka yere faka kaba ale nyana ko mo be wuli te ka ke president yo il est yera ton na tu as eu tous les honneurs et puis tu es pressé. Attends, on va laisser ça là d'abord. Papa, il va mélanger le. L'armée monte en puissance. Drone qui fait une heure du temps de Washington à Bamako. De la Maison Blanche à Bamako. Vous vous restez au Mali et puis vous neutralisez Washington, France, Côte d'Ivoire. Mais pourquoi jusqu'à présent, vous n'arrivez pas à désenvoûter le Mali? Alassane, quel est votre problème? Vous avez honni. Voulu en Nice. Je veux dire, vous avez même Akalassane, Lamalou, Kaira, Diana, 49 soldats Kola. Anina ko alabe jito nono la wa. Alate jito nono la. Jamais. Karma mbakanke. Vous avez cherché, vous avez trouvé. Nalou be. Chokroban nana, il fait nema le papa Alassane Ouattara Tokomadade. Il faut qu'il se mette sur les réseaux pour dire, hey, Ouattara Tché. Nabino si c'est de, ani draman watara de, mbolo ben kwa yafama. Kwa anfono ka dangami do, ka anto segu dugukolo ka, wala yafama. Ngo, ala agbenyen lebe na agbesi lombe choufe, fwa abe na lokotu kounu, ka chokoroba ntoko wole. Ko jalu lebe asimi goita nunu ko, kato ka ke karamogo bara ekela, ko e nga fleli kede, ala san nebe feka mali mne, ka di, Twabouima. Alassane ne veut faire qu'à Mali mine, Kadi Nazaraima. Nous, on veut notre souveraineté, on veut notre honneur, on veut notre démocratie, on veut notre, j'oublie le mot là, intégrité. Alassane Ouattara Koumalou ya n'yumane fait. Akoumaya n'y a le fait, Akoumaya développement le fait. Mais quand vous êtes taré dans votre tête là, excusez-moi. Quand vous êtes perdu dans votre conscience là, vous êtes perdu dans votre éducation, c'est un militaire qui va vous gérer et puis ils vont tuer tous les jours la population comme ça. Quel est quel Ibe Bankelema? Qui est-ce qui? Kouloubala? Militaire, générali, les généraux là, dans les bureaux climatisés, payer les propagandistes pour faire choses. Pour faire les vidéos sur les réseaux. Eh, la mer morte en puissance. Eh, en cas armement soro. Eh, amrakache farine. Eh, non, en cas blaya. Eh, en cas blaya. Les gars là, c'est sur les réseaux. Le peuple est en train de finir à petit feu. Les villages sont en train d'être brûlés. Les corps sont portés disparus parce qu'ils sont en complicité avec ceux qui enterrent les corps dans les fosses septiques. C'est pas Jean pareil que chez nous, quand ils faisaient les charniers là, cacher les trucs pour ne pas qu'on voie, puisqu'ils ont chassé tous ceux qui pouvaient avoir pitié d'eux. Où est la Russie? Russie Moïdo, Wagner Do, Kemi Seba Do, Franklin Nyamsi Do, Nathalie Nyang Do, à tous ces opposants de la Côte d'Ivoire, bien les gores qui étaient en train de vous inciter à la violence là, à chasser tous vos amis. Obemi. Oh Lou. Oh Lou. Ils sont où? Kemi Seba est en train de vous vendre. Il ne vous a pas encore vendu. C'est le jour où il y a un de nous, il a que. Car ça m'a été réussi. Esclavage, il y a là. Vous n'aimez pas les autres à tes beaux faits. Vous êtes collé chez les autres. Oh, Poutine demande du renfort. Kaeta Abeta, il va vous donner papier gratuit. Personne. Il y a combien de Maliens ici qui sont en situation irrégulière. Nos bolayere pour se retourner au foyer. Au Bestra, au Canada, on n'a contrôle. Poutine dit, il y a liberté de rentrer chez moi. Papier à la pute. Tu n'as même pas besoin d'aller faire chose, la queue à la préfecture. Personne ne se dénonce pour aller. A Bestra, moi. A Canada, les gens meurent. On cause patriotique. Où sont les patriotes? Où sont les patriotes? À quoi va de mes barabegben? Asimi Bemi. Batoni. Diadisi, les cas a tiré. Ils ont tiré le bateau là jusqu'à le bateau a pris feu. Les femmes sont mortes. Les hommes sont morts.
Les enfants sont morts. Il y a d'autres qui sont restés dans l'eau parce qu'ils ne savaient même pas nager. On dirait qu'ils partaient encore chez vous. On dirait qu'on partait sur l'océan Atlantique pour rejoindre l'Europe. Dans votre propre pays, les peuples intègres, peuples souverains, bateau là, les gens ont tiré dessus. Vous ne pouvez pas prendre Dussou. Ah, Dussou Taralami. Dussou Bek pour insulter Alassane Ouattara. Ah, Dussou Bek, CDAO Nani. Cheya Lebe Nafolo, quand c'est pour insulter l'opinion internationale. Vous êtes garçon, quand il s'agit d'insulter Alassane Ouattara avec ses 49 soldats ou bien les Ivoiriens, et il reste 225. Et il reste 225. Mais ça n'avait préparé pour venir prendre 225 là-haut. Voir 223 là même en train d'être brûlé là. Vous ne pouvez pas éteindre le feu. Il y a quoi, c'est mort. Parce que nous sommes dans un combat de pitié. Un combat d'honneur. De protection. Nous sommes dans un combat de comment sécuriser le peuple africain. Mais quand je vois que il y a des gens qui ne veulent pas la voix des élections, la voix des urnes transparentes, des militaires qui refusent d'aller au front et puis ils squattent la présidence, qui squattent l'administration, qui squattent partout les postes pour les civils. Et puis le peuple en train d'être calciné comme ça, d'être enterré dans les fosses septiques parce que vous n'arrivez pas à gouverner, vous n'arrivez pas à sécuriser, que la faute à Alassane Ouattara, que la faute à Macron, que la faute aux États-Unis. Donc, c'est Poutine qui peut vous aider. Poutine, Balou, ya Djamanani, surveillez-la et puis Mourebe Salatewa. Ah, une fois, parce que nous, on veut comprendre où se trouve la logique. Dabara Bayala, Fouaye Konoya. Dabara Bayala, Alabe, Amafoko, Abe Barabarado à nous là. Kabe Barabarado à nous, parce que nous, on parle. Ils vont mettre bête dans nous vivants. Vous pensez que Dieu là, il est injuste? Dieu n'est pas hypocrite, il n'est pas égoïste. Dieu n'est pas ingrat. Dieu est reconnaissant. Ni sona tiama à la vie de meya qu'elle est là. Mais il est si fania quand. Comme moi, il est fania ta kakete yaye. Maintenant, la coca baya chaque aya aya kama bricolom na. Toi-même, tu te cherches dans tes dix. Alors, coca la bosa abalasan la maloya. Pas sa diplomatie. Na kela comme kandia kamara kafo luna, tu royam na. Si c'était comme les gars qui étaient au pouvoir là, la Côte d'Ivoire et le Mali, ils étaient en affrontement de suite là. Peut-être que ma guerre là, Yereba. Mais pas sa diplomatie. Pas son intelligence. Pas sa sagesse. Pas son amour pour le Mali. Et pour le peuple Mali. Pas sa pitié pour le peuple Mali. Parce qu'il a vu que ceux-mêmes qui sont sortis dans les rues pour dire « Vive Assimi! Vive !» comme on dit, la transition, ils les ont vendu le rêve. Kombo Farala. Norobo Farala. Et quelqu'un m'a envoyé même les ordures. Ordures là même, là, j'ai effacé parce que je ne voulais même pas regarder ces ordures là. Je ne voulais même pas regarder les ordures qui ont envahi même Bamako. Ça veut dire, Tasma Boka. Norobo Kan. Comme on dit, là, les ordures là déjà même là, la maladie. Les moustiques sont là, les mouches sont là, paludisme, gastro, tout ça là. On y a mis une bénion là. Moi, farala, il continue nos bocs. Colonel Glacé, il est musonini na sunguru banini na. Asimi Goïta, Baya Ori Ferela, Aleni, comment on dit, les panafricains là. Au bout, il y a transition là, pour devenir encore plus riche. Maman, loko wari be sorotinyan le kanwa. Wari do be, londo ile be kef fato e ya wari chama. Et puis tu te dis, c'est quoi ça là, c'est quoi ça, c'est quoi ça? A ya wari be sorolabi, malinye is, jeli le la. A be business il la ni, Kemi Seba. Business il la ni, Franklin Nyamsi. Business il la ni, Soro Guillaume. Business il la avait l'opposition de la Côte d'Ivoire. Business il la avait, chose, Nathalie Nyong, au prix de votre sang, de votre vie là, il n'a rien à foutre de votre vie. Parce qu'il s'est dit, votre vie là,
ça vaut rien de, à ses yeux. Il a mis sa famille en sécurité. Akaya famille les blas, sécurité là. Où il est, Sekou Toungara. L'armée monte en puissance. Bato djennaima bato yewa. Propagande là. Moro kemeni, moro ko, même quand on dit chaque semaine plus de 2000 morts. Quoi te ira? Il y a des témoins. Gao, quand ces gens-là se sont organisés pour venir attaquer Gao. Abe ofoa, ato ofoa. Meni bo kunchila, Côte d'Ivoire, si ça, ou bien Francie, vous allez sortir des malhonnêtes, des malots comme ça, là. Alo nyene ko, alabe, nama bo ka tchinya nyene yere fo. Wale, ko warebe ka alani, nounou te. Mais ça me fait mal. Des enfants qui n'ont rien demandé à Dieu. Des femmes qui n'ont rien demandé, qui ne savent même pas qu'est-ce que c'est que la politique. Ils sont en train d'être rôtis comme ça tous les jours. Qu'on vive transition. Peuple pris au piège. Peuple pris dans une boîte actuellement là. Ils sont, comme on dit, ils sont kidnappés. Ils n'arrivent pas à les cultiver. Ils sont là. On ne sait même pas s'ils mangent. Ouais. Ils vivent. Ouais. Ils ne peuvent même pas aller au marigot. Ils ne peuvent pas aller chercher de l'eau potable. Ils sont pris au piège. Et le colonel, lui, là, si, dans Koulouba. Koulouba est égal à tout le Mali. Tchefari, Kaeta, Tchefari, délogé. Vous n'arrivez pas. Donc, vous êtes les tchers. Gros pantalon, il n'y a rien dedans. C'est un colonel. Shugen Maïga avec ce tralala là. Alassane Nekunta, Afadeywa. Afadeywa, Konona, Norila. Ateta Afadeyko, dans la toy. Kalukumina, Nouya Chokroba, il y a Dinala. Tchembe ko Barkamaike. Tchembe Nine Yatimaïla. Ana Moussobe Nine Feretanila. Alouba Fokalube Wulika, Sisi Denola. Afadeywa, Alassane Ouattaraï. Avant de même faire que Macron avait Alassane Ouattara là, Akumena ya mouita folo, et puis maintenant il faut quoi me faire dire que ma kaira là que quoi est blakourouli. Ama et comment il a fait pour récupérer ses 49 soldats. Vous avez vu, Akaya marmaï, magoui, marmaï, marmaï. Mao doulate, tête ou haut, au la mission là pour 7 mois. Ils ont été emprisonnés pour 7 mois. Ils sont ressortis. C'est comme mission Diaby là. Oh, Chokoroban. Nanyon kumba achema. Mali kum développé là. Peut-être à kum ka arrangement que je ne sais pas comment pour anéantir les djihadistes là qui sont en train de faire du tort au nord là. A nous yere to yoro là. Mais on a de la peine pour ceux qui sont dans ce feu là. Parce que nous, on a vécu le. On a vécu le tiers, un peu seulement, de ce que aujourd'hui le nord du Mali est en train de vivre. Et puis à Banab Djemebarabella, Kwalou Beta, un monsieur qui est comme on dit, dictateur. Mon homme, il a été nié tout babou, il a Poutine, a été nié tout babou, il a. Avec un nié à l'eau pour gratter, il a, pour cramer, il a. Vous n'avez rien vu. Il a simplement besoin de votre sous-sol. Il a besoin seulement de vos matières premières. Sinon, alou, avec comme si c'est un nian fait. Aya Fokata sera un mois. Avec un nian oulé. Aya Fokata yawari diama deux mois. Vous allez savoir de qui il est, de quoi il est capable. Amekouma fait, oh, on veut libre, souverain. On veut peuple intègre. Et à bas la France. Là-bas, la France, là, et puis bateau en train d'être brûlé. À bas, Alassane Ouattara, bateau, moi, il est djennaté. On va laisser cela. Je n'avais même pas voulu mettre ma bouche. Mais comme il y a un fou là-bas, je vous ai dit jusqu'en décembre, là, les opposants avec ceux qui ont tapé les tapettes, là, je vous dis ça tout le temps. Ils viendront d'autre chose. Ce n'est pas ça, là, encore. La vérité va ressortir. Ce qui est en bas de les marmailles, là, ils vont venir se confesser. Ça, là, c'est l'entrée en matière d'abord. Vous allez savoir que Ani Douaouden est en face. Apprenez à copier
chez Alassane Ouattara que de faire de Alassane Ouattara votre ennemi. Voilà. Fana ma jidi. Abade ma Côte d'Ivoire. Namo sécurisé. Ayade na fatena bamso moubi. Fana to sécurisé la. Koya bien sécurisé. Ko ni yere makaran. Fana ta kela. Kwalou be ouli. Kako wereta. Alassane Ouattara sengoro. Voilà, y a là-bas, il y a Dien Bella. À ma commencé, il y a là. Mais je prie Dieu que vraiment le diable prenne fait là-bas. Parce que Adam a dit ni c'est ni. Ni c'est ni. C'est à dire qu'il y a directement, c'est dû. À plus forte raison, on t'impose la mort. C'est dû. Aïe fou. Franchement, pour les morts, je dis, il y a quoi tous les morts de ces attentats, ces conneries-là, franchement. Et puis, je vais un peu tout simplement brosser un peu sur la vie chère en Côte d'Ivoire avec le gars, là. C'est vrai, la vie est chère. Moi-même, je sais que la vie est chère. La vie est la cherté de la vie. C'est mondial. Je ne vais pas me moquer de ceux qui n'arrivent pas à avoir, c'est vrai, si tu n'es pas bien payé, c'est pas facile. Payer ton loyer, faire les charges, encore scolariser les enfants, encore se soigner, raison pour laquelle il y a CEMU qui était obligatoire, peut-être, vous ne savez pas aujourd'hui, peut-être, vous ne savez pas, la CEMU peut vous débloquer quelle voie. Donc, ça, moi, j'applaudis ça déjà parce que CEMU, c'est pour tous ceux qui n'arrivent même pas à acheter, aller à l'hôpital avec la CEMU. Il y a une petite sécurité. Et à ces gars-là, pour les propagandes-là, propagandisme, ceux qui aiment récupérer les trucs pour faire, comme on dit, les règlements de comptes. Non, on vous connaît. Donc, quand ça vient de vous, nous, on ne prend même pas ça en catholique ou en mosquée. Non, non, non. Quand ça vient déjà de Gaulle, non, non, non. Même si on devait demander pardon à l'État ou aux fonctions, le président, nous, on joue les sous d'oreilles. Parce qu'eux, ils sont dans la manipulation. Partout où ils peuvent avoir le soulèvement, ils s'appuient là. On voit que leur plucherie balayée, elle n'a pas encore acheté tomate pour voir que la vie est chère. Elle est devenue l'homme politique, elle est femme politique. Donc, elle ne voit plus tout ce qui est cher. Elle voit simplement la place d'Alassane Ouattara, on va donner à quelqu'un d'autre. Donc, comme je disais, quand ça vient de gars, nous, on ne valide pas. On sait que la vie est chère. Quand il y a un truc comme ça, quand ça vient d'eux là, on ne calcule même pas. Parce que eux, ils n'ont plus sujet de politique. Ils n'ont plus, on va installer Gbagbo. Ils n'ont plus, on va, le 6 va devenir 9. Ils n'ont plus à chacun son ordi ou bien à chacun son RHDP, à chacun son RDN. Non. Là, maintenant, là, ils n'ont plus de sujet. Puisqu'on les a pesés pendant les élections municipales et régionales. Donc maintenant, ils veulent se mettre dans la peau de société civile maintenant. Quand ils gagnent quelque chose des sociétés civiles, maintenant, ils veulent prendre ça pour chercher à faire un petit soulèvement. Ceux même qui sont sur les réseaux pour dire la vie est chère là, où sont leurs participations pour améliorer la vie des Ivoiriens? On peut faire une ONG, on peut faire une association. Avant de crier, oh loup, viens nous dire combien de personnes, toi tu arrives même à nourrir. Vous êtes ici là, venez nous montrer. Quelles sont vos participations, votre contribution? Vous pensez que ici là, il y a même des volontaires dans les restos du cœur là. Ils peuvent donner des choses parce qu'il y a des plus pauvres qu'eux qui peuvent venir bénéficier. Vous, 1 plus 1, ça fait 2. Mais vous, là, 1 plus 0, ça fait 0. Vous,
vous êtes zéro. Sinon que ce qui arrive à la Côte d'Ivoire, là, la part de responsabilité, ça vous revient. Mais vous n'avez jamais pris votre part de responsabilité. Le pays était délabré. Les gens étaient malades par les déchets toxiques. Ça, il n'y avait pas la vie chère. Hein. Il n'y avait pas la vie chère. Parce que je vais venir comme ça et puis on va finir le reste. Il n'y avait pas la vie chère. Quand Gbagbo était au pouvoir, là, il n'avait que la partie utile de la Côte d'Ivoire. Mais nous, on mourait de faim. On était là-bas. Nous étions là-bas. Médicaments génériques, même, on devait prendre pour se soigner. Là, tu vas à l'hôpital, on te revend ça. Oui. Parce que vous cherchez à faire de la récup partout. Mais nous, on vous dit. J'ai vu un gars qui s'attaquait à Shérif Ousmane. L'âge Shérif. Vous dites, il ne voit pas les réalités, le quotidien des Ivoiriens. Toi, tu sais que ta paye là n'est pas beaucoup. Mais tu as tu as maîtresse au dehors. Tu sais payer hôtel, tu sais payer préservatif. Toi, tu sais que tu n'arrives même pas à joindre les deux pour à la fin du mois là. Mais c'est toi là, tu enchaînes les petites filles dehors. Tu penses que l'argent là, ton salaire là, c'est pour toi, ta femme et tes enfants. Si tu arrives à te contenter de ton petit, de ta petite famille, tu verras si ton argent ne te suffira pas. Au lieu de venir dire le riz est cher. Ceux qui ne travaillent pas là, à Yopougon, qui ont mis leur vie en parenthèse, ils jouent dans matin, midi, soir là, ils préfèrent manger que les pois et puis boire belé là, ils n'ont qu'à faire retour à la terre. Ou bien ils n'ont qu'à faire un petit jardin dans le banco de Yopougon. Parce que quand ça vient de vous là, nous, on vient, puis on sale ça, ou puis on met beaucoup de sable avec piment pour vous donner. Tu es assis dans le salon de tes parents, et puis tu veux que la vie soit moins chère? Toi, tu dois aller te rendre utile pour venir soulager tes parents. Tu es assis là, si Gbagbo ne vient pas au pouvoir, moi, je ne travaille pas. Et puis tu veux que c'est l'État qui vienne te donner à manger? Ceux qui vont faire balancer là, quand ils partent dormir chez leurs parents là, ils donnent au moins 1000 francs. C'est ça, on dit à un enfant qui se soucie de ses parents. Non, c'est que la vie est dure. Moi, j'étais là-bas là. Propriétaire, ma mère était, mon père propriétaire de coups. Mais deux fois, on mangeait gratin. Voilà. Pour dire que, quand tu sais que la vie, ta vie n'est pas rose là, donne-toi la possibilité de la rendre en rose. Personne ne viendra rendre ta vie en rose à ta place. Oui. La pauvreté, là, c'est une maladie. Donc, quand tu es fatigué d'attraper la faim, là, rends-toi utile. Toi, tu dis, tu attends bureau avant de travailler. Si bureau ne, bureau ne vient pas à toi, fais d'abord un sous-métier. Il y a des directeurs d'entreprise là. Si on vous dit comment ils ont commencé avant d'être directeurs d'entreprise là, tu vas dire waouh. Vous êtes assis. Le président Alassane Ouattara n'a qu'à vous appeler, vous tous. Vous qui avez mis votre vie en parenthèse dans les agora, vous avez fait université, ça fait 50 ans. Toi, on va te prendre pour venir mettre squatter bureau. Bureau, chose quelque part d'entreprise de quelqu'un. Oh, il y a des jeunes ingénieurs, des diplômés, plus, les BTS avec mention, plus, les comme on dit, les bacs, plus, combien là? Toi, aussi, tu veux lutter, bureau ou bien, tu veux lutter, chef d'entreprise avec eux. Toi aussi, tu vas te rajouter sur ceux qui disent la vie est chère. Tu te rends pas utile? Et puis, toi, tu veux t'asseoir pour dire la vie est chère. C'est forcé de manger tous les jours foutu banane. Même ici, là. Nous, salade, on fait salade le soir. Quand le reste là, on met dans gamelle, on met dans congélateur ou bien frigo. Parce que ça coûte cher. Le lait, là. Arrivé à un certain âge, là. L'enfant, moi, je donne plus le lait. Parce que c'est cher. Les bébés vont boire. Jusqu'à 18 ans, je te laisse, tu vas boire. Mais tu commences à avoir, tu vas aller faire vacances, tu vas aller faire les petits métiers. Nos enfants qui sont nés ici français, même mes enfants, ils faisaient ménage dans mon travail. ASH, les enfants qui nettoient les surfaces, ils font la plonge, ils nettoient le sol.
pour eux-mêmes d'abord, pour leur entrée, souffrir des merveilles. Une semaine, deux semaines, on les apprend à travailler. On les apprend à chercher un peu d'argent pour eux-mêmes, argent de poche. Arrivé un moment, on s'assoit, puis on met la main sur les pieds. La vie est chère, c'est maman qui doit tout faire, c'est papa qui doit tout faire. Ta mère et ton père t'ont mis au monde. Arrivé un moment, quand la vie est chère, rends-toi utile pour alléger ta famille, pour soulager tes parents. La vie est chère. Même si on vous donne d'un cacha, donne dans ta maison. Si toi-même, tu ne fais pas quelque chose pour mettre, pour garder ces d'un cacha-là, ça va finir. Toi, tu es assis, on te nourrit. Tu manges seulement. Et puis toi-même, tu ne cherches pas pour mettre dessus. La vie va devenir moins chère depuis quand? Hein? La vie va devenir moins chère quand? J'ai dit, venant des gars là, moi, je ne peux même pas parler doucement. Rendez-vous utile. Gabriel Gala, c'est pas ça qui est la vie. Gora Radicola, c'est pas ça la vie. C'est pas les gens qui doivent mettre dans votre bouche. D'ici, les autres vont venir te mettre dans la bouche à toi-même, il faut avoir un peu. Parce qu'aujourd'hui, là, personne ne peut nourrir une personne à vie. Tout le temps. Arrivé un moment, tu ne verras plus cette personne. Parce que le monde aujourd'hui, nous sommes dans un monde aujourd'hui où une personne, une femme est égale à une paye. Et ses enfants. Si la famille encore vient hypothéquer ta maison, ta paye ne va jamais te suffire. Toi, tu es là, tu nourris ta femme, tes enfants, tu vas nourrir encore femme de ton petit frère, femme de ton grand frère, femme de ton enfant, femme de ton truc. L'argent va te suffire quand? Il faut qu'on dise à nos parents d'à côté là, il n'y a plus rien dans la facilité. Tant que tu prendras la vie en facile, déjà ils disent la vie chère, mais quand tu vas là, c'est ceux-mêmes qui viennent te présenter, comme on dit, leur ordonnance en journée. Essaie d'aller dans un bar le soir, ou bien dans une discothèque, tu iras les trouver assis, ils sont en train de consommer l'alcool, la table est garnie comme ça. J'ai chopé comme ça un gars que j'avais payé ses médicaments, il vient en journée, il se fait en genre pitié, pitié. Moi, mais je n'arrive pas à prendre mes médicaments, je n'ai pas d'argent. J'ai vu les médicaments, c'était à 22 000. Je lui ai donné 25 000. Le soir, comme moi, mais j'aime bien. Quand je suis ici, travail, maison, dodo, mais quand je pars en Afrique comme ça, j'aime bien m'éclater. Parce que j'aime bien m'amuser, j'aime bien m'amuser. Et je vais. Quand il m'a vu, il a baissé sa figure. Son visage. Comme moi aussi, j'aime à faire. Il y a ma copine qui me fait ça. C'est pas le gars là qui est là, là, lui qui était chez toi ce matin là. Je me suis déplacée, je suis allée à sa table. Je les ai salués tous. La table garnie. Même moi, Bengui, je ne peux pas garnir table comme ça. Ça veut dire que mon agent de médicaments, c'est le show qu'il allait faire. Oh, l'agent de médicaments là, il pouvait prendre pour entreprendre quelque chose. Mais ils sont là, c'est pour demander. Ils aiment demander, ils n'aiment pas chercher. La vie chère, là, rendez-vous utile. Si ça ne va pas à Abidjan, allez-y cultiver. Oui, je préfère vous dire ça. Autosuffisance alimentaire. Vous êtes des braves hommes. Oui, faites comme en Chine. Faites comme à Paris, en France. Faites comme dans le monde entier. Quand ça ne va pas, là, pas de zéro pour devenir quelqu'un. C'est tout. Moi, c'est tout ce que je peux vous dire. Nous, on peut venir faire de l'audience. On va lever la voix pour que ce qu'il y a à faire, au pétrole, que quoi, partout c'est pareil. Partout c'est pareil. Pour demander, on dit la main qui demande là est toujours en bas. C'est pas avec la force. C'est pas avec brigandage que RHDP, si on vient parler, ils vont sortir pour nous insulter, insulter. Nous, on ne vous insulte pas. Mais on vous dit, nous ne sommes pas là pour mettre la cuillère d'or dans votre bouche. La cuillère dorée dans votre bouche. Rendez-vous utile parce que votre misère, là, c'est pas la faute à Alassane Ouattara. Votre fainéantisme, là, c'est pas la faute à Alassane Ouattara. Parce que vous voulez tout faire pour montrer aux yeux du monde que Alassane Ouattara, son excellent de guépa, c'est le mauvais pion pour la Côte d'Ivoire. Mais c'est de ça nous on vous parle. Votre glissement pour aller là, quand vous essayez de glisser là, nous aussi on glisse avec vous. C'est tout. Sinon, si on se respecte dans ce pays-là, vous verrez que nous serons tranquilles. Nous, on s'est porté garant. Garant là, pour démentir les mensonges qui sont sur les réseaux. Sinon, on a quoi? Nous sommes tous frères. Chez vous, les gars là, j'ai beaucoup de neveux là-bas.
J'ai beaucoup de nièces là-bas. Côte d'Ivoire n'est métissé. C'est la politique, c'est pas la haine. C'est la politique, c'est pas la jalousie. Si vous essayez de revoir votre manière de faire la politique, vous allez voir que nous aussi, on va être tendre. Vous ne voyez pas, quand vous sortez, puis nous aussi, on sort méchamment, là, vous vous calmez. Mais quand on disait, hey, Allah le Kadi, Allah le Kata, vous pensez que c'est la peur. Non, non, c'est que c'est pas dans la barbarie on peut gouverner. C'est pas dans, comme on dit, dans la violence, on peut cohabiter. Donc, raison pour laquelle, souvent on disait, oh Allah le Kadi, si on regardait, on écoutait même le président, son excellent Alassane Ouattara, on n'allait même pas sortir pour venir vous faire des pics aussi. Parce que lui, il n'aime pas le bruit. Il est silencieux et puis il travaille. Parce qu'il s'est dit que tout ce que vous dites là, ça ne colle pas sur sa peau. Mais nous, pour notre honneur aussi, et puis l'honneur pour le président, sa dignité, sa fierté là, il faut que vous sachiez aussi qu'il a des fan clubs. Il a des enfants qu'il aime à mourir. Pas parce qu'il est beau, mais parce que tout ce qu'il est en train de donner à la Côte d'Ivoire, offrir à la Côte d'Ivoire là, personne à part au feu Boigny qui a pu faire pour la Côte d'Ivoire. Et injustement, vous l'attaquez, vous le vilipendez, vous l'insultez jusqu'à vous-même à votre tour aller déterrer le corps de ce monsieur-là, sa mère. Comment vous pouvez être chose mauvaise jusqu'à un certain point? Donc, parce que nous, on assiste à de l'injustice patentée, on peut dire ça. Donc, aujourd'hui, nous aussi, peut-être c'est Dieu qui nous a touché l'esprit et le cœur pour que nous aussi, on vienne s'asseoir là, à visage dévoilé, prendre aussi parti pour ce monsieur. Ce qu'il fait là, ce qu'il est en train de faire là, il n'y a pas un vaurien président en Côte d'Ivoire qui a pu faire. Les Ogo ou rien, Gbagbo ou rien là. Dites-moi un peu ce que vos vauriens de Koudou Gbagbo là a fait en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il a fait? Si ce n'est pas donner les gens un verdict populaire, et vous, vous allez comparer les serviettes et les torchons. Sachant raison garder quand même. Ce monsieur, il a tout donné à la Côte d'Ivoire. Donc nous n'allons pas accepter que des voyous fassent se mettre. Et puis eux-mêmes, ils ont leur site, comme on dit, les plateformes. Afrique qui met. Excusez-moi, c'est notre fille, là, la grande fille qui m'appelait. Donc du coup, comme elle était dans les parages, je lui ai dit de m'avancer. Dites-nous, on va se laisser là parce que je ne vais pas être trop. Quand moi je parle aussi, je n'arrête pas. Hey, parole est sucrée dans ta bouche. Nous, en tout cas, là, on ne va plus laisser les injustices comme ça être faites à la compte de ce monsieur. Quelqu'un qui a tout donné. Quelqu'un qui est en train d'encore donner. Quelqu'un qui est en train de se tracasser, casser sa tête. Il est entre les avions, les vols. Mettre aujourd'hui la Côte d'Ivoire au niveau que ça est là. Barème, je ne sais même pas comment on va dire, quelième étage. Vous allez le comparer au Gbagbo Kafisa. On va installer Gbagbo. Sans Gbagbo, là, la Côte d'Ivoire, on ne doit pas respirer. On ne doit pas vivre. On ne doit pas manger. Bon, la vie est chère, elle n'a qu'à venir nous donner. Ils ont dégelé son compte là. Qu'est-ce qu'il peut faire comme association pour que les gens, même qu'il a. Parce que c'est lui, il a commencé d'appauvrir la population. Brûler le commerce des gens, piller les banques, piller les entrepreneurs, les petites entreprises là. Il avait tout, ses disciples, ils avaient tout détruit. Voilà, voici d'où vient la pauvreté énorme maxi des Ivoiriens. C'est lui et ces gangs là, ces miliciens avec ces vauriens qui sont sur les réseaux, ils attendent que le 6 devienne 9 et puis eux ils vont rentrer. Quand vous regardez, des enfants, ils vont venir courir, le 6 va devenir 9 là. C'est sûr, non? On n'a qu'à faire la politique. On n'a qu'à laisser dans faire des. On va inciter les gens. Hein? Notre papa, il a travaillé. Donc, on vient, on dit ce qu'il a fait. On dit montrer les bilans des papas. Non, montre nos bilans. Montrez pour vous. Les siens, montrez-les. Vous montrez pas tout le temps, vous êtes dans. Il y a que la Côte d'Ivoire. En tout cas, il y a que la Côte d'Ivoire. Joseph Serif. Oui, il y a que de. Il y a que la Côte d'Ivoire. Parce que si Dieu nous avait épargné de certains, vos gars là, les gars là,
Je pense que la Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, il devait même pas, on ne devait même pas conjuguer pauvreté. Imaginez, Doufoué, si le président Alassane Ouattara succédait Oufoué tout de suite, vous pensez qu'aujourd'hui on allait dire la vie est chère? On n'allait pas parler de la vie est chère. S'il n'y avait pas les malfrats que pour piller les biens publics là, pour en faire endetter la Côte d'Ivoire là, on a vécu tout ça là. Si tout ce temps-là, comme on dit, on coupait tous ces temps morts là, la Côte d'Ivoire là, je pense qu'aujourd'hui, tout ce que le président Alassane Ouattara est en train de reconstruire là, peut-être c'était déjà fait, et puis maintenant là, on passait à l'estomac des Ivoiriens. Voilà. Il fait en sorte que les investisseurs viennent pour vous apprendre à travailler, vous donner du travail pour que votre bouche tout le temps, on gagne pas à manger, la vie est chère, et qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que vous voulez que les autres partent travailler pour venir vous nourrir. Donc vous n'allez jamais être rassasié. Tant que toi-même là, tu cherches pas pour mettre dans ta bouche, que tu t'assois, tu dors dans l'île par terre de tes parents, et puis c'est quelqu'un qui doit venir mettre dans ta bouche. Mais tu vas jamais avoir d'autosuffisance alimentaire. Si tu t'assois, c'est l'homme qui doit te nourrir. Tu ne vas jamais bien manger. Parce que rends-toi utile. Fais de ta vie quelque chose de bien. D'accord? Au lieu de vous de saboter, de vous moquer, au lieu de chercher toujours la bête où il n'y en a pas, donnez-nous aussi une. Proposez-nous des solutions. Proposez-nous des solutions. On en a besoin. Que de venir nous donner toujours les disques. Go, c'est quoi? Moi-même, j'ai honte qu'on m'appelle. On dise, je connais quelqu'un qui est go. Ils n'ont pas de honte. Ils sont remplis de haine, des jaloux. Ils sont là. Ils ont tous, quand je vous dis l'hypertension, là, ils ont tout ça. Parce que dès qu'ils te voient là, c'est vous. C'est vous. C'est vous qui rendez les Ivoiriens pauvres. C'est vous. On sait que c'est vous qui avez l'argent. Et puis, vous vous en foutez de ceux qui ne mangent pas. Quand mes parents cherchaient l'argent, toi, tes parents dormaient. Quand mes parents se levaient matin bonheur pour aller vendre, pour aller conduire, quand mes parents se levaient pour aller rester au port ou bien pour aller faire vos champs de cacao, champs de café, là, vos parents, ils étaient où? Donc, ce n'est pas à nous. Nous, on ne sommes pas fautifs de votre pauvreté. Hein? Non? Ce n'est pas l'État qui est la cause de votre pauvreté. Rendez-vous utile. On dit, c'est l'année de la jeunesse. Mais c'est vieux qui crie là, vous qui criez là. Il n'y a plus votre temps. On ne peut plus vous donner du travail. Donc, allez-y cultiver. Allez-y travailler pour les Libanais. Là. Ils vont vous payer au moins 2500 par jour. J'ai une amie qui disait ça, qu'ils ne veulent pas travailler. Sinon, il y a petit des sous-métiers. Mais tous, ils disent, ils ont diplôme rempli. Ils sont les hyper intelligents. Ils sont les hyper diplômés. Donc, ils veulent avoir place de la présidence. Présidence, l'on dit, c'est un seul fauteuil qui est là-bas. Or, actuellement, là, c'est déjà chose occupée. Vous allez vous asseoir où? On dit, il y a un seul premier ministre. C'est occupé. Vous, on va vous mettre où? On dit, il y a un seul vice-président. Un seul président de l'Assemblée nationale. Vous, on va vous mettre où? Tous les ministres. Vous voulez diplôme et puis allez vous asseoir. Dans tous ces postes-là, c'est occupé. Vous, on va vous mettre où? S'il n'y a pas place pour vous mettre, vous allez avoir quel salaire? Et vous, encore, vous êtes assis. On doit... Ah, il y a la vie est chère! Tout ça là, pour faire soulèvement, pour faire l'insurrection. Coûte, voir brûler la Côte d'Ivoire. Hein? Coûte, voir brûler la Côte d'Ivoire. Mais on vous dit que, peuple consciencieux, jeunesse consciente, Là, maintenant, là, ils savent très bien que leur vie, là, allez-y travailler. C'est tout. On va travailler. Donc, famille, nous allons nous laisser là. Et puis, juste vous souhaiter une très bonne semaine. C'est tout ce que je voudrais dire. Et puis, dis encore que l'histoire de Cocody, ça va venir, ça est en train de venir tout doucement, tout doucement. Et nous allons faire lumière sur l'affaire de Cocody. D'accord? Je voulais vous saluer un peu. Donc, famille, je vous dis merci.
Bamba Makou Lako, merci à vous aussi. Oui, levons-nous parce que personne ne fera de notre vie mieux que nous-mêmes. Il y a Mousse Jean Bulle. Elle ne dit rien. Elle dit que va voir ailleurs. D'accord? Que d'aller travailler. D'accord? Je dis rien, mais tu fais quoi là? Je ne dis rien, mais tu fous quoi là? Égaré là, brebis garé. Oui? Il y a qui encore? Et allez lui là. À Bleké. À Bleké, tu dis en France, le SMIC, le gouvernement français a fixé le SMIC à 100 000. Ça... Et puis, quand tu as le SMIC à chose là, tu penses que c'est ce que tu gagnes? Hein? C'est ce que tu gagnes? Il faut avoir des anciennetés. Il faut avoir l'ancienneté. Aujourd'hui, un seul travail, tu ne manges pas bien, bien en France. Je vais vous dire ça. Le loyer a augmenté. Carburant augmenté, énergie augmentée, les charges ont augmenté. Ça veut dire qu'ils vous donnent là, ils reprennent de l'autre côté. Pourquoi vous ne faites pas rouler votre intelligence? Vous connaissez très bien, si on vous montre notre fiche de paye, qu'on met avant déduction là, tu as 3000 et quelques euros. Mais, si tu n'as pas d'ancienneté, SMIC là, il y a d'autres qui gagnent 1200. Je vais vous dire ça. Il n'y a pas de SMIC ici à 1400. Je vais vous dire ça. Voilà. Nous, on est dedans, ça fait combien d'années? Voilà. On fait de 9h à 17h. Avec mes anciennetés là, j'ai 1900. Brut. Combien d'ancienneté, année ancienneté? Je vais faire mes vacations de nuit. Là-bas, même ce qu'ils gagnent là, c'est plus. Parce que pour vivre là, une seule paye aujourd'hui là, tu ne peux pas vivre. Ça, c'est en France ça. Vous êtes couché là, et nous comme ça là, puisqu'on gagne plus que le SMIC, on ne gagne rien de la CAF, on ne gagne rien des aides sociaux là, sociales là. Tu prends ton destin en main. Tu vas aller crier où? Tu payes impôts. Voilà. Pour vous dire que l'Europe aussi là, il y a son bien et puis il y a son mal aussi. Pour vous dire ça. Prenez votre vie en main. Vous dites que vous êtes des panafricains. Vous êtes des panafricains. Mais vous comparez tous vos trucs aux Français. Les Français ne vous voient pas. Ils ne vous regardent pas. Pourquoi vous comparez tous vos trucs aux Français? Le Français là, lui, ils ont des petites associations. Vous les Africains là, on vous met devant association en Côte d'Ivoire là, vous bouffez tout. On vous donne, vous allez faire les bisabir là dans les grands entrepôts là, on vous donne là, vous partez faire magasin de friperie. Vous partez faire choses, comme on dit, les Français au revoir, congélateur, les trucs là. Les Français vous donnent ici parce que vous venez mendier pour dire non, il y a des démunis, on va aller leur donner. Mais vous allez faire vos commerces avec ça. Vrai ou faux? C'est tout ça là, ils ont vu là, aujourd'hui là. Même le Français même a peur de vous. Des mendiants, des voleurs, ils prennent le nom de la pauvreté de l'Afrique pour se faire du sou. Et puis c'est encore eux qui viennent attaquer l'Afrique. À bas les Français. Et comme on dit, les télé, quoi là même, la Afrique Média. Eux là, ils n'ont plus de problème, mais c'est Côte d'Ivoire. Eh, Côte d'Ivoire est béni. Merci la famille. Je vous laisse là et puis on se dit à bientôt. Bisous à tout le monde. Si je veux parler aujourd'hui que des gants, je ne vais pas finir là, parce que eux là, on doit refaire leur éducation. Franchement, ceux qui les ont accouchés là, je ne sais pas quand ils sont nés, je ne sais pas pourquoi Dieu a réfléchi pour mettre les gars au monde là, mais c'est une race à refaire l'éducation, à refaire leur éducation. Ils sont hors connexion, ils sont déconnectés de la réalité. Leur réalité là, c'est limite en 2010. Là où le vol là s'est arrêté là. C'est là leur esprit là est resté. Donc, on n'a pas de problème. On n'a pas de médicament pour ça. Quelqu'un qui est resté au temps passé. Est-ce que nous on a problème, on a de solution pour quoi? Ça? Non, non, non. On va refaire leur éducation. Merci à tout le monde.